Nous sommes à Boulogne, en fin de mois de février. Boulogne est le plus grand port de pêche français. Le poisson plat fait partie des nombreuses espèces ramenées par les professionnels. Régis Gallego, journaliste halieutique, a décidé de pêcher le poisson plat en bateau et sur les plages des environs. En cette période de l'année, les pêches ne sont pas très grosses et il peut être utile de se renseigner sur la présence du poisson, notamment auprès des détaillants d'articles de pêche. Une visite à la digue Carnot s'impose. C'est un lieu de pêche si réputé qu'on s'y croit perpétuellement en concours. Le poisson n'est pas toujours au rendez-vous. Au moins, là, on est sûr de ne pas manquer de compagnie. À l'invitation de M. Cuny, détaillant d'articles de pêche à Boulogne et membre de l'équipe de France, Régis part en mer pêcher le poisson plat. Il croise le ferry Sicat qui revient de Walkerstown. L'ancre est jetée à peu de distance du rail des ferries. La pêche commence aussitôt. Voilà, la canne à pêche la tient juste en équilibre, là, de manière à ce qu'on sente la plus petite pitée, on puisse la sentir. On va pas le laisser languir, c'est pour le bête. On voit du poisson. Les montages utilisés aujourd'hui comprennent un émerillon à agrafe, un cord de ligne en 40 centièmes, les avançons, c'est-à-dire les bas de ligne accrochés au bout des clipots, sont en 28 centièmes, le poids du plomb varie suivant l'intensité de la marée de 200 à 500 grammes, les vers employés sont des anéricoles frais ou congelés, les clipots sont montés sur deux billes de couleur. Le premier poisson plat pendu au train de clipot est un carlet. Il a mordu sur un anéricole. Aujourd'hui, les poissons plats sont mordeurs. L'attente entre les touches n'est pas trop longue. Raymond Cuny sort une belle limande. Un poisson a mordu. Le pêcheur lève la canne et c'est seulement en la descendant qu'il mouline. Il sort de l'eau une morue qui ne fait pas la taille. Elle est remise à l'eau et les mouettes sont déçues de n'avoir pu l'attraper. Thank you.
Bien que la marée soit d'un petit coefficient entre 50 et 55, il est nécessaire d'accrocher un plomb d'au moins 300 grammes pour tenir le fond. C'est pas dessus, de toute façon. Je suis pas certain. Notre capitaine se met à la pêche et prend du poisson. Ah ouais, c'est un plat. Deux plats. Ou deux, oui. Du monde en haut, carré en bas. Mais tu vas pas nous en faire un aussi. Il faut remonter la canne en force, sans mouliner, et mouliner quand on baisse la canne. Surtout, ne jamais laisser du fil mou. Le premier doublé de l'imande de la journée. Ah ben voilà. Bon voilà deux. Deux belles lignes. Enfin quand même quelque chose. Alors là, c'est la vedette. Hein. Sourire. Voilà. Hein. Petit sourire pour la photo. Remarquez bien les clipots avec leurs deux perles sur le fil. Voilà. Là, le décrochage, il va se faire. D'accord. Merci. J'aurais plutôt prédit son incarné. Moi aussi, on va essayer. Essayer, hein. S'il retombe à long, tant pis. Hein. Un joli carlet. Bien vivant. Ah là là, bien vivant. Ah là là, qu'est-ce que tu es en train de lui faire là? Ah oui, là, là ça tire bien. Non, c'est un beau plat ça. Un beau petit plat ou alors une morue. Un plat ou une morue. Oh non, non, c'est pas grave. Vous voulez bien ? Bah écoute, on va pas tout regarder, ça lâche. Alors vous avez le choix, vous avez l'imande, carlet. Non, il y a l'imande, carlet, puis machin. Après cette pêche utilisant des montages traditionnels, le cap est mis sur Boulogne où Régis va nous exposer les techniques et montages de pêche du poisson plat en bord de mer. Bonjour, nous sommes à Boulogne. J'aimerais vous présenter quelques techniques de pêche relatives au poisson plat qui vont de la sole, l'imande, pli, turbo et raie. Le temps où la pêche au poisson plat n'était qu'une simple formalité, où on plantait un piquet par terre avec un bout de fil et un verre après un hameçon, ce temps-là est révolu. À l'heure actuelle, la technique nous donne un tas de possibilités pour presque choisir les poissons plats. Et c'est les différents montages et les différentes cannes moulinées que j'aimerais vous présenter maintenant. Cette première, c'est une canne pour pêcher les sols d'à peu près 3,90 m et de puissance 2 livres. Ça suffit. Largement, les sols ne sont pas des poissons ni énormes ni combatifs. Pour les plis, ma préférence va à des cannes un peu plus puissantes, de l'ordre de 3 livres, mais un peu plus courtes. Il faut souvent lancer très loin, des poids plus élevés, donc une canne quand même d'action un peu plus raide. C'est le genre de cette canne-là que l'on peut utiliser avec un tambour fixe ou l'autre. Que j'utilise avec un tambour tournant. Elle a une action de 3 livres, un tambour tournant garni des nouveaux multifilaments actuels. Ça, c'est du 20 centièmes qui peut porter une charge de 35 livres. Pour la pêche au turbo, il faut une canne quand même nettement plus puissante parce que ce sont quand même des poissons qui tirent plus. Et les deux cannes que je vous présente là sont des cannes de 5 livres à 3,90 m qui sont destinées quand même à mater des poissons quand même nettement plus importants, mais dont on peut se servir pour beaucoup d'autres techniques, genre dorade ou barre. Ça, c'est une canne de 5 livres avec un tambour fixe. On peut avoir la même chose avec un tambour tournant comme cette canne-ci, à condition bien sûr de savoir lancer avec un tambour tournant. Mais enfin, ça, tout s'apprend.
ce sont des cannes à d'action semi-parabolique assez puissantes, de l'ordre de 4-5 livres. Les pêches des poissons plats ont acquis ces dernières années quelques lettres de noblesse avec les pêches de mouvement qui sont les pêches à la tirette avec un système ou avec un plomb gratteur. Ceci est un système pour pêcher à la tirette avec un plomb gratteur. C'est une canne qui fait 3,70 m, elle est très souple. Elle est très souple et permet de recevoir la moindre touche, de ressentir la moindre touche. Celle-ci, c'est une canne d'action un peu plus rigide, mais avec une pointe souple. Qui permet d'animer et de faire gratter le leurre à fond. Ces méthodes de pêche sont de plus en plus pratiquées alors qu'elles étaient pratiquement inconnues en France il y a pas plus de 4 ou 5 ans. Ce sont des méthodes qui viennent de Hollande ou du Danemark, où on pêchait beaucoup comme ça. Et maintenant, ça a pris en France et en plus, on s'aperçoit que les résultats sont extrêmement positifs. Une des bases pour réussir une bonne pêche, c'est d'être bien installé. Et j'aimerais vous présenter quelques supports de canne. Celui-ci, c'est le support universel pour la pêche à surf casting. Les cannes sont tendues à peu près à 60 degrés vers le haut. C'est un système qui permet au fil de passer par-dessus les rouleaux quand il y en a. Par contre, ça a les avantages, c'est qu'il y a une très forte sensibilité au vent latéral ou au vent de face parce qu'il y a beaucoup de fils hors de l'eau. Voici maintenant un système pour pêcher avec une batterie de 4 cannes. Quand il y a par exemple beaucoup de vent ou quand il n'y a pas tellement de mer, pas tellement de rouleaux, c'est-à-dire que le fil aura beaucoup moins de prise au vent et on peut faire un truc que je vous montrerai tout à l'heure en pêchant, c'est-à-dire mettre un plomb qui va coller le fil directement sur la plage. Alors voici un système emprunté sans vergogne aux carpistes, mais qui nous permet de pêcher la nuit. Avant toute chose, puisqu'il y a des détecteurs de touches électroniques dessus qui, à la moindre tirée, vont s'animer. Les pointes des cannes sont dirigées vers le bas. C'est très bien quand il y a beaucoup de vent. Souvent, la pointe de la canne est même dans l'eau, de manière à ce que le vent n'ait aucune prise et en plus, ça ramasse moins de salade quand il y a du courant. Tous ces systèmes de porte-canne que je vous ai présentés là peuvent être utilisés invariablement sur le sable, sur les rochers, sur les molles en zone portuaire, parce qu'on peut les poser partout. Voici maintenant un repose-canne dont on sert surtout pour les pêches de mouvement. On peut le poser partout, ne pèse que 250 grammes et c'est très pratique quand on veut arrêter de pêcher, quand on veut casser la croûte, de pouvoir continuer malgré tout à pêcher et en plus de protéger son matériel qui n'est pas dans le sable ou sur les rochers. De ce côté-là, la canne est entièrement préservée de tous les chocs, le moulinet aussi, et puis elle peut continuer à pêcher. On peut diviser les méthodes de pêche des poissons plats en plusieurs catégories parce que les méthodes de pêche ne sont pas les mêmes pour tous les poissons plats. Il y a d'abord les méthodes pour pêcher les sols, ensuite une autre méthode pour pêcher les limandes, des méthodes pour pêcher les flets, les plis, ça va grosso modo ensemble, et ensuite turbo et raie qui sont deux espèces différentes et qui se pêchent d'une manière, disons, un peu plus grossière. Depuis ces deux dernières années, j'ai laissé tomber les nylons qui, à mon avis, souffraient beaucoup trop de l'abrasion. Et donc on était obligé de prendre des nylons de plus gros diamètre pour pêcher avec des multifilaments. À l'heure actuelle, les multifilaments proposés sur le marché vont du 8 centième, comme celui-ci, qui est presque impossible à voir, et qui a malgré tout une résistance de 5,9 kg. Ça va être le fil de mes bas de ligne à sol, à limande et à pli. Pour pêcher les turbos, je prends un multifilament qui fait 18 centièmes, mais qui tient quand même plus de 10 kg. Comme celui-ci. Et enfin, pour la pêche au raie, je prends un bas de ligne qui est lourd, plus lourd que l'autre, qui va plaquer l'appât au fond de l'eau. Celui-ci a une résistance de 35 livres.
Il a l'avantage d'être extrêmement mou, extrêmement souple, et même s'il y a un nœud dedans, ça ne casse pas. Pour les hameçons, il y a à l'heure actuelle sur le marché un tas d'espèces différentes que j'ai sélectionnées là, en vue des différentes espèces de poissons. Les soles ont des hameçons qui doivent être très très légers, très fins de fer, avec une hampe qui est relativement longue et un anneau. Pourquoi ? Parce que les soles ont la seule habitude d'avaler les appâts très profondément et c'est beaucoup plus difficile de décrocher un poisson qui a une tige courte qu'un hameçon qui a une tige longue. Maintenant, ça a aussi l'avantage, c'est quand on enfile des vers qui sont relativement fins, les vers ne pèsent pas plus qu'ils ne pèseraient normalement. Les poissons sont en effet relativement sensibles au poids de l'ensemble, c'est-à-dire qu'un hameçon avec un ver qui ne se laisse pas spirer normalement va être refusé. Et ça, c'est très important. Les hameçons pour les limardes sont des hameçons qui sont plus courts, mais plus forts de fer. Pourquoi ? Parce que les limardes se pêchent beaucoup plus souvent avec un paternoster, c'est-à-dire que le poisson se suspend après l'hameçon, donc il faut que celui-ci encaisse mieux le choc. Alors les tailles pour les soles, les hameçons à sol et les hameçons à limande vont du 14 à peu près au 2. Les hameçons à plis sont un peu différents. Ils sont plus gros, pourquoi ? Tout simplement parce que les appâts employés sont plus importants. On pêche les plis seulement avec des anéricoles. Une anéricole avec un hameçon comme ça, ça ne servira à rien. Il faut que ce soit des hameçons qui soient comme ceci, mais en plus grande taille, c'est-à-dire 2, 3, ou alors des hameçons à plus grande courbure, mais avec des barbes sur la hampe qui empêchent l'anéricole de se tasser sur la courbure de l'hameçon, de recouvrir la pointe, ça fait qu'on ne fait rien du tout. Les hameçons suivants, ce sont les hameçons pour les turbos, qui doivent être aussi fins de fer, mais extrêmement solides et très légers. Alors tout dépend évidemment de l'appât employé. Je prendrai un hameçon comme ça pour mettre un ver, par exemple. Par contre, celui-là, j'enfilerai un lançon dessus, parce qu'il est beaucoup plus, il est brillant et il est beaucoup plus fin. Et enfin, les derniers hameçons, ce sont les hameçons à raies. Il y a une différence énorme entre les hameçons à raies dans le temps et les hameçons à raies de maintenant. Ceux-ci, ce sont des hameçons qui ne pèsent pratiquement rien, mais qui sont d'une puissance qui dépasse à peu près tous les autres. Avec ça, je suis sûr qu'on peut aller pêcher l'espadon voilier, ils ne casseront pas. Je m'en sers pour pêcher des silures de plus de 100 kg, ils n'ont jamais cassé. Alors voici maintenant les différentes espèces de plomb qui sont utilisées pour la pêche au poisson plein. Le premier de tous, c'est cette étoile, c'est la châtaigne. C'est un plomb qui est très très classique, mais qui a l'avantage quand on pêche au surfcasting, c'est un indicateur de pêche. Si une châtaigne de 80 grammes ne tient plus le fond, on peut rentrer chez soi et arrêter de pêcher parce que la marée sera trop forte ou le courant sera trop fort pour pêcher les poissons pleins. Alors ce sont des plombs terminaux, ce sont des plombs de bout de ligne. On peut servir des plombs fusés avec ou sans pattes amovibles. Là j'ai enlevé les pattes amovibles de celui-là. C'est encore un plomb terminal. Intermédiaire avec les plombs anglais classiques, ce sont ces fusées-là qui viennent. Ce sont des plombs que j'achète en Espagne, ceux-là, qui vont très bien. Et ça, c'est un plomb coulissant également, mais qui a l'avantage de ne pas s'enfoncer dans le sable. Il suffit de tirer un peu sur le fil et le plomb va être posé sur le sable. Maintenant, on va rentrer dans le domaine des pêches à l'anglaise classique avec un plomb à monter en dérivation comme ceci, ou alors monter sur coulissant, un coulissant assez long avec un anti-tangle assez long comme celui-ci. Enfin, les dernières sorties des magasins, ce sont ceux-ci. Ce sont des plombs quadripales qui sont faits pour les pêches à très longue distance parce qu'ils se lancent extrêmement bien, ils ont une très bonne tenue en l'air. Le dernier que je vous montrerai, c'est celui-ci. C'est un plomb anti-vent, c'est-à-dire si vous avez un plomb, si vous pêchez sur un fond qui est extrêmement vaseux, mou, eh bien, il peut se produire la chose suivante, c'est que le plomb s'enfonce dans la vase. Avec le fil, il n'y a plus aucun coulissement du fil. Ce genre de plomb-là est constitué d'un plomb en bas, d'une tige métallique et
d'une boule de liège. C'est-à-dire que vous pouvez lancer comme vous voulez, le plomb va aller dans la vase, mais la bouche de liège va toujours remonter et dégager le fil du sol. Les bonnes lignes à pêche pour les poissons plats ont évolué ces dernières années, mais je crois que j'y suis un peu pour quelque chose. Il y a 6 ou 7 ans, je suis allé en Finlande, en Norvège, et j'ai vu que là-bas, ils pêchaient tous avec des perles et des corps attirants sur les bonnes lignes. Et j'ai amené ça ici, et maintenant voici les perles que je peux vous présenter pour faire les bonnes lignes pour les pêches aux poissons plats. Les Anglais appellent ça des teasers. Le premier des poissons, ça va être la sole. Pour la sole, c'est simple, il ne faut rien. La sole, c'est un bout de multifilament entre 40 et 1 mètre, et un hameçon, et puis c'est tout. La sole est un poisson qui est assez timide et qui n'aime pas beaucoup, au contraire des autres, les appelants. Ou les perles teasers. Les perles teasers, il y en a un certain nombre. On a les perles classiques, la petite perle rouge, qui est ronde ou fusiforme, pour les montages, disons, les plus discrets. Celles-ci sont un peu plus grosses, dans toutes les coloris possibles imaginables. Ensuite, vous avez des perles noires, qui sont des perles élastiques, qui sont des perles caoutchouc, et qui servent de butoir. Ensuite, ces perles-là, ce sont des perles flottantes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir pour but de lever les bas de ligne du fond, où ils risqueraient de s'en tirer. Et celles-ci, ce sont des perles flottantes, mais poreuses, c'est-à-dire que dans ces perles-là, on pourra mettre encore un attractant liquide, genre huile de crabe, ou huile de crevette, ou huile de sardine, enfin une huile quelconque. Les dernières perles, enfin, ce sont des perles qui servent de perles butoir, mais en même temps elles sont phosphorescentes, c'est-à-dire que la nuit on les voit très bien. Alors ces perles-là, c'est pareil, sont extrêmement molles et c'est elles qui vont servir à caler les différents montages. Et ces montages-là, je vais vous les montrer maintenant. Ceci, ce sont les montages pour les limandes. Les limandes ont la particularité d'aimer tout ce qui brille et qui a des reflets. Donc ça ne sera pas la peine de chercher des perles trop colorées, mais plutôt des perles à facettes et des perles phosphorescentes comme ça. Ça suffit largement. La longueur du bas de ligne va de à peu près 20 cm si vous pêchez en paternoster jusqu'à 80 cm lorsqu'on pêche avec un traîneur à fond. Ces perles-là, pour les monter, c'est très simple, comme toutes les perles. Moi, j'ai trouvé le système pas trop embêtant. Je prends un bout de cure-dent que je mets ici et ici et c'est collé avec de l'hydroglue. Je ne monte jamais les hameçons avant de pêcher parce que je ne sais jamais ce que je vais avoir comme taille d'appât à mettre au bout de la ligne. Mais une chose est certaine, pour tous les nouveaux multifilaments, sans exception, il faut faire non seulement des nœuds doubles ou triples, mais en plus les coller à l'hydroglue. Sinon, votre nœud va glisser dès qu'on va tirer un peu dessus. Alors ça, c'est très important. Tous les nœuds doivent être doubles et collés. J'ai préparé là quelques exemples de montage pour pêcher les plis. Ici, nous n'avons que des perles en plastique lourdes, donc ça va être un montage qui va plaquer le bas de ligne au sol. Ici, c'est un montage déjà avec une perle pour décoller un peu. Ici, c'est un montage qu'il y a beaucoup plus de courant, c'est-à-dire que ça doit être décollé, mais ça doit quand même peser un peu plus, donc il faut plus de perles. Alors ça, c'est un montage pour les pêches très difficiles, pour les pêches ultra fines, que j'emploie rarement. Mais enfin, il faut quand même savoir qu'on peut faire des montages plus discrets les jours où ça ne va pas très bien. Alors là, on va arriver dans les montages un peu plus sophistiqués. C'est un montage là qui est un montage pratiquement à décoller, c'est-à-dire que le poids des perles noires équilibre exactement le poids des perles jaunes, c'est-à-dire que c'est un truc qui va vraiment se promener sur le fond, mais sans monter de trop. Le dernier, c'est un montage qui est un montage à tendance flottante, dans lequel j'ai inclus deux bait floats, dans lequel on peut imbiber de l'huile de crabe, de l'huile de crevette, etc. Il existe bien sûr ces montages-là, tout fait dans le commerce. Alors, j'en ai là quelques exemplaires ici, qui sont en paternoster avec trois hameçons.
Voici maintenant quelques montures à plantes, mais à palette. La palette a pour but de remuer le sable, quand on ramène la ligne, de provoquer un léger nuage de sable qui va provoquer l'attention du poisson, et donc l'amener sur votre appât qui sera derrière. Alors c'est pareil, on peut faire des montages, soit qui appuient vraiment au fond avec des perles lourdes, comme celle-ci, ou alors un montage un peu plus flottant avec des perles uniquement flottantes, comme celui-ci. J'ai fait des montages aussi avec des perles, des palettes souples de cuillère. Là, j'ai fait en tandem. On peut également employer, comme ici, un montage du commerce avec une palette de cuillère ondulante. Mais il faut bien faire attention de ne jamais attacher directement le fil sur la palette, de le prendre toujours sur un émerillon double, sinon à force de lancer, ça va être scié. Ceci, c'est un autre montage également du commerce, monté sur nylon. Voici maintenant deux montages différents de traînards pour pêcher les poissons plats. Un traînard est un bas de ligne qui est long d'au moins 1,50 m et qui a encore un avançon latéral. Dans ce cas-ci, l'avançon latéral sur ce petit fil-là avec un nœud qui doit être collé, ce sont des perles lourdes qui vont plaquer l'avançon au sol. Tandis que la fin du traînard avec l'hameçon principal, elle, a des perles flottantes, c'est-à-dire que ça va décoller l'appât du fond. Pourquoi décoller l'appât du fond? Parce qu'en principe, on met toujours l'appât le plus volumineux en bout de ligne, et celui-là a tendance à s'enfoncer, donc il faut que ça le sorte un peu du fond. Le contraire avec l'autre montage, qui est un montage avec un bas de ligne, le bout du bas de ligne principal avec des perles lourdes, si vous employez un petit hameçon, et l'avançon latéral, également collé aussi, avec deux perles flottantes. Pour les gens qui veulent faire ces systèmes-là eux-mêmes, j'ai trouvé un petit système qui est tout simple, pour vous éviter de trop vous compliquer la vie pour faire les montages. Vous prenez un morceau de fil d'acier, vous enfilez les perles dessus, avec des lunettes ça irait mieux. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à coller les perles entre elles avec de l'hydroglu et de passer votre fil au milieu après. Ça vous fait gagner énormément de temps. C'est beaucoup plus simple comme ça. Bon, voici maintenant des montages pour des poissons un peu plus gros et surtout beaucoup plus intéressants que sont les turbos. Alors évidemment, le fil est déjà nettement plus solide. Les montages à turbos doivent être relativement discrets mais brillants. Dans ce cas-ci, ça c'est un montage pour un appât assez lourd. Donc, des perles flottantes, mais partout, pour la pêche des turbos, je mets des brils lumineux, qu'ils soient rouges, qu'ils soient argentés, comme ceci. Ensuite, l'autre montage, c'est un montage qui va plaquer le bas de ligne au fond, c'est-à-dire que déjà le bas de ligne en lui-même est plus lourd que l'eau, le fil du bas de ligne est plus lourd que l'eau. Ensuite on prend donc des perles qui vont couler et au milieu encore une palette de cuillère, mais attention en plastique, ne jamais prendre de palette de cuillère métallique qui à force de tourner vont user le fil et faire un point de rupture, toujours une palette en plastique. Et bien sûr les hameçons là dans ce cas-ci sont nettement plus importants et surtout beaucoup plus solides. Voici maintenant quelques montages pour pêcher les raies. J'ai mis ici un assemblage de quelques hameçons moyens utilisés il y a quelques années. À l'heure actuelle, on s'en sert pour pêcher les hétons. Et regardez maintenant la taille des hameçons qu'on emploie à l'heure actuelle. De même, les fils. Dans le temps, c'était du fil d'acier, gainé, tout ça. Maintenant, ce sont des multifilaments. Ce multifilament-là porte par exemple 100 kg. Il est beaucoup plus résistant qu'un fil d'acier est absolument mou, il n'y a aucune résistance à l'engammage.
Parce que le particulier d'un bord de ligne arrêt, c'est qu'il doit être absolument neutre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas ni donner de vibration, ni donner de résistance anormale. Une raie, en principe, quand elle mange, elle se pose sur l'appât, elle le mange sur place et elle part ensuite. Et si par hasard vous avez un bord de ligne qui est trop rigide ou qui est trop lourd, elle va s'en apercevoir et elle va recracher tout. Et un petit hameçon comme ça, dans la gueule d'une raie, ça ne pardonne pas. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques trucs personnels qui vont certainement vous faciliter un peu la vie. Par exemple, ce produit-là. C'est un produit rigidifiant. Ces bas de ligne sont tous très très mous. Et ils ont tendance, malgré tout, à s'emmêler dans le bas de ligne principal lorsqu'on lance. Si on passe ce bas de ligne-là, si on l'enduit de cette résine, ce bas de ligne va devenir rigide, il va être comme enduit d'une gaine qui va le laisser bien droit au fond de l'eau, c'est-à-dire il ne risquera plus de s'en mêler. Ce produit-là est un rigidifiant permanent, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé votre bas de ligne avec, il va rester sur le bas de ligne. Par contre, pour l'avantage de la pêche, il convient que les derniers centimètres, au moins les derniers 20 cm du bas de ligne, soient mous. Alors on a trouvé un nouveau produit, c'est celui-ci. C'est un rigidifiant aussi, à l'air, mais dès qu'il va être dans l'eau, au bout de 3 minutes, il va être dissous et le fil va reprendre sa malléabilité normale. Voici un autre produit, ici, qui va permettre d'alourdir votre bas de ligne pour le plaquer sur le fond. C'est du tungstène liquide, tout simplement, avec lequel on imbibe le bas de ligne, donc le poids du métal colle le bas de ligne sur le fond. La même chose ici, seulement ça se présente sous une forme comme une pâte à modeler, dont on fait des petites boulettes que l'on peut mettre sur un point ou un autre du bas de ligne. Ça résiste très bien au lancer et ça permet de calibrer exactement le poids de votre appât avec le poids de ce morceau de plomb. C'est aussi un genre de tungstène, mais plus solide. J'aimerais vous présenter en dernier, concernant la technique, mes nouveaux plombs gratteurs pour pêcher à la tirette, soit au système, soit avec un grand bas de ligne. C'est un plomb qui a une forme de goutte d'eau, qui est enfilé sur le fil principal de cette manière, et avec muni de deux pattes qui vont remuer le sable et soulever des particules de sable pour attirer l'attention des poissons. Au nord de Boulogne, à la pointe aux Joies, Régis va pêcher à la tirette avec un plomb. Tout doucement ramener. Des petits coups de poignet pour faire sauter le verre au fond en remuant le sable, mais vraiment ramené millimètre par millimètre. Plus difficile dans ce genre de technique, c'est de se savoir se brider justement pour ne pas récupérer trop vite. Avec cette méthode de pêche,
il faut laisser au poisson le temps d'engamer pendant environ 15 à 20 secondes avant de le ferrer. Une petite limande, cela prouve que les poissons plats sont là. Pour charger l'hameçon avec des anéricoles, il suffit de les enfiler doucement de façon à recouvrir tout l'hameçon. Le moulinet est rempli de multifils amor en 12 centièmes. C'est un fil solide, moins freinant au déroulage, ce qui permet de lancer plus loin qu'un fil de nylon traditionnel. Avec cette méthode de pêche, il faut lancer entre 30 et 40 mètres pour chercher des fonds d'environ 1,50 m et travailler très lentement, en essayant de faire sautiller le ver sur place. Il suffit de prendre quelques dizaines de centimètres de fil, puis d'essayer de faire vibrer ou sautiller le ver 5 à 6 secondes sur place. De nouveau, on reprend du fil et on recommence à animer le montage. Encore une petite limande. Régis va pêcher au posé. La température de l'eau n'est pas assez élevée pour y séjourner trop longtemps. Les vagues sont minuscules, c'est pourquoi le petit porte-canne suffit largement. Le moulinet a le frein débloqué et le fil est tendu. C'est du multifil amor en 12 centièmes. Essayez de positionner les cannes de manière à disposer d'au moins d'un quart d'heure de marée sans avoir à changer les cannes de place. Les touches de poisson plat sont généralement discrètes. Il convient d'être très attentif. Souvent, on observe un petit coup sur le sillon, puis plus rien, car le poisson sent sable et ne bouge plus. On ramène le poisson sans précipitation en le faisant glisser sur le fond et on ne le soulève qu'une fois qu'il est au sec. C'est un montage avec un plomb coulissant et deux avançons sur plomb coulissant. We'll be right back.
coup double encore avec des limandes, ce qui étonne Régis, car il espérait pêcher du carrelet à cet endroit. Remarquez la longueur du traînard, il est d'environ 1,50 m. Échange du verre pour un montage à utiliser légèrement décollé du fond. Ce plomb étoile est fixé sur une ligne que Régis appelle sa ligne témoin. En effet, si cette ligne venait à dériver, cela signifierait que le courant de marée est trop important pour espérer prendre du poisson plat à cette place. Aujourd'hui, Régis installe ses cannes à Vimereux, une plage située à quelques kilomètres du port de Boulogne. Sa ligne utilise un montage paternoster avec des perles dites de Corée. Son moulinet est chargé d'un fil en 30 centièmes. Ce type de verre s'enfile sur des hameçons plus fins qui sera bien sûr entièrement recouvert. Ce échage est fragile et son lancer se fera avec précaution. Même à partir du bord, on peut faire de beaux carrelets. La pêche du poisson plat à bord de mer est plutôt une pêche d'hiver qui se pratique de mi-octobre à mi-avril. Elle peut être pratiquée avec peu de matériel et grâce à des montages spécifiques, il est souvent possible de sélectionner les poissons à prendre.